premier épisode et il est 8h du matin. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé un nom à la série. Ça va s'appeler La Déter. Et vous regardez l'épisode 1. Là, tu vas faire un œuf ou tu vas faire un omelette? Omelette. Bon, regardez-moi, j'ai un style. Non, attends. J'en ai des frissons, je l'ai senti, la vie de ma mère, j'ai eu des frissons, regarde. Tiens, regarde. Chose propre. Vas-y, goûte-moi ça, Cyril Lignac. Bismillah. Ouais, dis bien bismillah, parce qu'il y a des risques de chien, ça. C'est dégueulasse. La même distance des deux côtés. Oh, il y a des problèmes psychomoteurs. Là, la série elle s'appelle La Déter. Et le but de La Déter, c'est de donner l'envie aux gens de se motiver et se bouger le cul en gros. Aller au sport, faire des activités, améliorer son alimentation, etc. On s'est fait un petit emploi du temps pour tenir la semaine. On ira 3 fois par semaine à la salle. On aura 5 repas par jour. Voilà, c'est une série. On essaiera de sortir un épisode par jour. Le deuxième épisode, ce sera sur sa chaîne. Le troisième sur la mienne, le quatrième sur la sienne, etc. On va poser tous nos compteurs d'abonnés, notre poids, etc. Et on va regarder où est-ce qu'on en est le vendredi 17 janvier 2020. Donc, dans un an, pile poil en 2021, on devra faire un avant et après. Les objectifs principaux, c'est d'être stock, de prendre du poids, de passer le permis de conduire et d'avoir un nombre incalculable d'abonnés, que ce soit sur Instagram, Twitter et YouTube. Vas-y, tape tout, wesh. Vas-y, la langue, tire la langue, comme dans Koh-Lanta. En gros, ils m'ont dit, genre, à 18 ans ou 19 ans, tu perds ton gland sur le skate. Et c'est fait quoi? J'ai exemple, tu l'as pas perdu, tu l'as perdu. En mode 12 ans, je l'ai perdu. Moi, je dis, non, je le nique, le je le coupe tout seul. J'ai pété un plomb. T'as pas essayé de le retirer? T'as pas essayé de le retirer? Non. Non, je suis fou, toi tranquille. Voilà. Là. YouTube, 185 000. Twitch, 29 048. Twitter, 20 900. Et Instagram, 75 800. Tu carbures sur Insta. Ouais, il faut. Vas-y, toi, ça dit quoi les abonnés? 80 400 YouTube, Twitch 65 880, Twitter 32 200 et Instagram 48 100. Chose propre. Dans un an. Vas-y, on refait les comptes dans un an, on se retrouvera. 55. Enculé, j'ai pris 4 kilos le sang. Jure ? Voilà. Non ? Ça c'est mon gros. Regarde. Il a tenu la boule comme s'il allait jeter 8 kilos de machin en prison. C'est dire, monsieur. Ah noir, il a un gros pouce, il va se bloquer dedans. Il a un pouce. Il a un pouce, c'est une boîte d'AirPod. Défi en blind test, donc c'est à dire que Walid va mettre une musique. Là, on a donné un thème, on a demandé du duel à l'ancienne. Voilà. Donc là, il va mettre une musique et celui qui devienne le titre, il marque un point. On va faire ça jusqu'au 5. On va faire 5 points. Donc de ta mère, en quoi il bug l'ordinateur? Il m'a pas mis du la lancer. Grand-père à duel. Lui il t'attrape sous tous les angles. Non, là, pour la sortir. Snoopy dog. Ah, ça du chaleur. Mais c'est bien
La déterre, on bouffe que des œufs et que des trucs pas bons. Donc là, on redécouvre. On se... J'en ai marre. Hey, le ventre, c'est Gaza. Il a envie de péter. Les petits savent pas c'est quoi Gaza. C'est devant la poissonnerie, le sang. Oh, ça sent les couilles à Ronaldinho. Là, mec, il y a une araignée verte. Wallah, il y a une araignée verte. Oh, j'allais mettre le casque. Et elle te croque, elle fait quoi? Arrête, ça halal. Oh, elle est trop stylée, là, je la capture. Mais arrête, ouais, c'est mon casque, quoi. Ouais. La capture. Mais la mec, bouge là. Comment ça, elle est trop bête. J'ai jamais vu une araignée verte. Aïe. Rends pas mes rouges. La mec, t'es un con. Non, elle va rien faire, après. Mais où viens, la souffle, là. Souffle. On vient niquer une patte. Voilà, j'ai mise. Goal. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais elle va mourir. Mais jette la dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut la mettre à la poubelle. Il me dit je veux pas tuer l'araignée. Elle est en train de se noyer, il reste du yop au fond. Pour elle c'est l'océan Méditerranée. Non, la mer Méditerranée. Un coup de miboune. Un coup de crachage des nids. Et nous on se regardait comme si on avait le virus des Chinois. Quand ils respirent, tu sens qu'ils sont riches. Ils respirent avec bonté. Comme ça. Ils respirent une odeur de ballerine sans chaussettes, t'as vu? Maman, les tétons, c'est des roues de camion là. Voilà les tétons. Mais. Voilà, une roue de pelleteuse. Mais là, il s'est pas en train de clasher le manager. Ta place à la ville, elle va sauter. Je suis très mal. Fais Michael Jackson. Pour les 100 000 abonnés. Un jour, 100 000 abonnés. C'est en parachute, mais pas de là-haut. Je me suicide en stream. Avec plaisir, le Santon. Posé avec Jadon Santon. Eh, t'étais en feu, toi. Dans le pendant, posé. On gratte pas de garrot. Non, je t'ai niqué ta mère à la Villa El Gato. Là, je suis dans le rythme, t'as compris. Peine de Miami, première, deuxième. J'accélère, t'as la haine. Marine Le Pen. Ta mère, sans rancœur avec un noir, ce fils de chien, me réveille à l'heure du matin. L'aiguille elle est bloquée. Oh, speed enfoiré, t'as tapé dans la scie. Il est mort. Ah là, il est trop chaud. Sur ma mère, je mets le même coup de boule. Fais une scène. Non. Là tu me prends au piège mon pote. Non. Salam alaikum mon frère. Ça va? Et voilà que tu as la chambre bloquée. Arrête. La pute en stream, triple platine en stream. Là, vous avez loué une sacrée baraque, hein, les gars. Là. Ouais. La piscine et tout, à la classe. Hein. La noblesse. Appuie sur le pied droit, Ouais,
je marche cagoulé ganté pour louer les skis. Walid, Walid, je crois que c'est Sram, il m'appelle. Je me tourne SVP. Qui toi? C'est un collègue à moi peut-être. Wesh Walid, tu fais trop rire, poteau. Ah, c'est bon, j'ai compris, j'avais la cagoule. Ouais, le sang. Petite photo. Dans la noblesse, on enlève la cagoule par respect. Chose propre. Sur ma mère, il a tapé. Oh, il a voulu faire le Steven Seagal. Il a cru que c'était transporteur. Il a tapé, voilà. Chose bloquée, voilà. Chose noble. La noblesse. Oh, débrouille-toi, coup de chaîne. Ouais, ouais. Il m'a envoyé une mignon, j'ai la calvitie à Hadj Hamid. C'est quoi ça? Eh, je vais lui demander de me remettre des cheveux là. Pas me remettre des cheveux le sang. Voilà, je lui envoie, t'es fou quoi. Mais hors de question, je serai une mignon comme ça. Regarde la calvitie, wesh. On dirait que j'ai la trentaine. Ah, c'est pas possible. Voilà. Bon, on a trouvé un petit concept. On va le réveiller avec sa musique phare. Ouais, ouais. Ah, il dort là-haut, je suis con. Il est où? Il a changé de chambre, moi. De partout, y'a du cachet désarmé des cartouches. Eh mec, voilà, c'est le retour de la déterre, réveille-toi, BG. Aussi, t'arrives en tout temps, Arcas à 10 bois. Ils nous ont pas laissé filmer. Voilà, c'est bâtard, que je mets du Lacoste, ils me laissent même pas filmer dans leur magasin. Dealer. Oh, venez hey. Pas. Voilà. Voilà. Mais le sac avec les casquettes. Oh putain. Et lui il oublie toujours un truc lui, la tête dans le cul. Eh là, mais c'est le meilleur magasin de l'univers, je te jure. Le meilleur magasin de l'univers, mais il nous laisse pas filmer. Ça c'est une question de temps. 30 janvier 2020, t'inquiète. Le 16 juin, je reviens, je lui montre les chiffres. Par Allah, il me laisse filmer, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai niqué là, bien sûr. J'ai perdu 600 grammes. C'est depuis la maladie. Tu crois que tu tombes malade, toi? Vu que tu t'es moins nourri et tout, ça fait que tu as perdu du poids. C'est pas carré ça, voilà. Moi, là, c'est pas carré, frère, j'ai perdu 600 grammes. C'est parce que tu t'es pas assez nourri pendant la maladie. T'as pris combien, toi? 2 kilos, je crois. De 2 kilos. Putain, pourquoi je suis tombé malade, wesh? Tous ces efforts pour rien, ça me démotive, wesh. Non, il faut pas se dire ça. Je rigole, je la déterre. Là, là, c'est voilà, ça, quand même. Hey, t'es le mec qui arrive, il dit que la photo. La noblesse. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu me fais? Alors Wilson, tu es un culé. Viens. D'ailleurs, il est où Wilson? T'as senti? C'est moi qui ai la ceinture. Dans la chambre. Hein? Hein? Ouais. C'est ma chérie Wilson. Pourquoi tu vas acheter des gâteaux, on va acheter des crêpes. Il hey. Porte la dalle, le sang. Ah, non, t'achètes pas, frère. Mais si, j'ai faim. Non, j'ai faim. T'inquiète. Bagdad. Tranquille, je vais lui taper un coup de crâne, un coup de birédi. En fait, je t'explique, en ce moment, c'est une fête, là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des crêpes salées et sucrées. C'est quoi, fête? Oh, quelle fête? S'il y a une fête et il faut manger des crêpes. Ce soir? Ouais. Il y a des gens à la villa et tout? Non, c'est une fête, genre, ce jour, c'est... Il y a des gadgets? T'es con ou quoi, fils de pute? Attends. Chandeleur. La chandeleur. Et ça veut dire qu'il faut manger des crêpes. Du coup, on va faire des crêpes. Ah, en gros, il faut juste manger des crêpes. Ce soir, il y a personne à la villa. Ah, s'il y a des meufs. Jure. Ouais. Ah, je refais, voilà. Je refais. Comme c'est moi qui paye, tu feras le plaisir. Reste ici, fils de... Je vais jeter une couche pour me lever dessus. Reste. Je vais rien voir. T'as le chien. Je vais pas passer par mes chemins. Un coup de crêpe. Et pourquoi? Parce que c'est la Saint-Lazare. La Saint-Lazare? C'est la chandeleur. La chandeleur. Ah non, gare Saint-Lazare, ça me vient truc. J'entends dans le fond. Là, on a élite à peu près. Non, non, pas dans la poêle. Tout là aussi? Ouais, mais. Un coup de Jack Daniel. Ouais. Ça, tu m'attaques. Ouh. Ouais, les gars. Arrête. Pourquoi tu fais ça? Encore pire que moi, fils de chien. Oh, il a mis le coquille Saint-Jacques dedans, elle est tombée. Vas-y. Si je mets ça, comme qui est à moi. Voilà. Je suis sûr. Mais il m'a dit pour me protéger.
je le démon, je vais la vendre sur le Darknet. Bon, là, je vais empoisonner quelqu'un. Sur eBay, je la vais partir à 1000 de vous. Ah là, on va tout vous envoyer. À tout moment, il commande du L, j'envoie du XS. Il reste pas dans le t-shirt. C'est lui, c'est le plus beau. Il est mignon. Ah, il fait chaud ici. On va rester là. Ouais, mais en chance propre, je suis bien là. Regarde. C'était bon, hein, ils ont déjà préparé un petit trou pour sentir et tout. Tiens, sens. Ça me tape moi. Wow. Il a du coup. Voilà, c'est bien. Ah ouais, mais les trous, ils rigolent pas en plus. Ça frappe ou pas? Ouais, on a reçu tout ça, voilà. Eh, hey, en plus, il y a quoi? Il y a le gel pour la calvitie. On va les mettre après, on va les mettre après. Attendez, je vous fais le tour. Donc, premièrement, comme j'en ai parlé hier, les barres protéinées, elles sont stock, hein. Machin, là, elles sont plus stock que moi.